Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est lundi 28 mai. Petite sortie avec Barbac et Bidouille 16 dans les bois, encore une fois. Et puis, premier trou pour moi là. Oh, ça fait quoi? Ça fait 10 minutes qu'on est là. Voilà, ça se passe ici. Et c'est une 10 centimes Lindauer. Voilà, je sais pas s'il fera la mise au point, faut peut-être pas rêver. Allez. Eh ben non. Bon, c'est pas grave, je mettrai une photo de toute manière. Elle a l'air en très bon état. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, nouvelle monnaie, hein, elle est une minute après l'autre. Dans un trou assez profond par contre. Ça se passe ici. Bon, c'est complètement lisse. Hein. Une belle patine, mais c'est complètement lisse. Voilà, je nettoierai quand même au cas où, mais je pense pas que je vais récupérer grand chose. Non, c'est lisse. C'est dommage. Belle patine, beau module. Tant pis. Allez, à la prochaine. Bon allez, nouveau trou pour moi. Bon, ça se passe ici. Oh, ça casse pas des briques, hein. C'est, ouais, c'est une savo. Hein. Ouais, écoute-moi, les, c'est jaloux. Ils sont jaloux. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Hein. Bon, voilà, c'est du. C'est. Sûrement du savot. Allez, on continue. Bon, erreur de débutant, hein, j'avais rebouché le trou avant de repasser le détecteur. Donc il y avait un autre son, j'étais obligé de recreuser. Bon, c'est encore une savo. Hein. Un type d'été. D'été savo, je pense. Voilà, bon, les collègues sont en train de se plaindre, là, ils trouvent rien. Je comprends pas. Allez, on continue. Bon, mes deux monnaies étaient là. Et puis ben voilà, en passant un peu autour là, au pied de cet arbre. Au pied de cet arbre, une toute petite monnaie encore. Oh. Sûrement les restes d'un d'été. Voilà, bon, je nettoierai hein, s'il y a matière. Je ferai comme d'habitude. Je mettrai une photo après la séquence. Allez, je continue. Ouh, bon, celle-là m'en a fait chier. Hein. Wow. Dans ce trou hyper profond, là, il y a bien 30 cm. Et sous la racine, encore une fois, ça se passe ici. Ah, j'en ai chier. Hein. Ah, c'est bien sale, hein, je sais pas. Bon, c'est une monnaie, hein, je nettoierai parce que là c'est vraiment bien sale. Ouais, ça a l'air assez savot. Je nettoierai hein, parce que bon, je veux pas trop gratter là, de peur de l'abîmer quand même. Allez, je vous dis à plus tard. Bon, nouveau trou. Bon, ça fait un petit moment qu'on trouve rien là. Ça se passe ici. Oh, c'est un petit bouton, c'est pas bien vieux. Bon, je nettoierai quand même. Je ferai une photo. Je sais pas ce qu'il y a marqué dessus. Hein. Je sais pas si c'est un bouton de chasseur ou un bouton militaire, je sais pas. Bon, je vois pas. Hein. Je nettoierai, je ferai une photo.
Allez, je vais rejoindre les collègues là-bas. Et puis, on va continuer l'aventure. Allez, à plus tard. Allez, nouveau trou. On s'est arrêté 5 minutes là pour boire un coup là. Et puis, on vient de repartir là. Et puis, dans un petit trou là, ça sonnait bien. C'est une bague. Une bague en étain avec, je sais pas, une fleur dessus, je sais pas. Ouais, c'est une espèce de fleur, je pense. Ah, c'est bizarre, c'est un drôle de forme quand même. Bon, je nettoierai, je ferai une photo hein, pour identification. Allez, je vous dis à plus tard. Nouveau trou. Voilà, ça se passe là, au pied de cet arbre. Hein. Carrément au pied là. Voilà, c'est une 10 centimes d'ancien franc, hein, tout simplement. L'année, je vois rien là, il fait très sombre. 1963, je crois, un truc comme ça. Voilà. Je redirai mieux ça une fois bien nettoyé. Allez, on continue. Nouveau trou au pied de cet arbre. Voilà, un trou assez profond. Hein. 20-25 cm là. Ça se passe ici. C'est un. Ça a l'air d'être un dété là, bien rincé. Bon, il est ovale, hein. C'est bizarre, il est bien bouffé là. Ouais. Il est bien sale, je nettoierai. On dirait qu'il y a peut-être encore des reliefs dessous. Bon, je nettoierai s'il y a matière, je ferai une photo. Allez, à plus tard. Bon, nouveau trou, hein. Oh, le dernier était là-bas, l'arbre là. Juste ici, au pied de cet arbre-là. Je fais tous les tours d'arbre, en fait. Ça a l'air de marcher pas mal. Bon, c'est du savot. Hein. Voilà, c'est ici, c'est un dété savot. Je pense. Ouais, bon, rien d'exceptionnel. Hein. Mais bon, c'est une monnaie. C'est une monnaie, dommage, il n'y a rien à sauver. Hein. Ça ira dans la boîte à savon. Allez, je vous dis à plus tard. Nouveau trou, c'est profond quand même. Ça a l'air d'être un vieux chemin. Hein. Donc dans ce trou là se trouvait cet objet. C'est une fusaïole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que c'est là, c'est un taureau, je crois. Une vache. Ouais, elle nous appelle. Allez, on continue. Nouveau trou. Ah, ça se passe ici. Je sais pas ce que c'est, hein. Je l'ai sorti déjà. Ça a l'air d'être un morceau de bague à coude, je sais pas, c'est bizarre. Bon, ça a pas l'air cassé pourtant. Je nettoierai s'il y a des motifs ou s'il y a matière, je ferai une photo. Allez, à plus tard. Bon, fin de la petite sortie du matin là. Bilan des trouvailles. Eh ben Bidouille 16 nous a fait un capot ce matin. Ah non, je viens de trouver quelque chose, viens voir. Oui, je vois. Ah, ouais, je vois, il nous a trouvé quelque chose là. Oh. Ah, ça c'est pour midi ça, tiens. Ah, ah ben voilà, tu vois, ben, il est pas capot. Il n'est pas capot, il a bien fait de venir. Bon alors, bon, trêve de plaisanterie.
pour Barbac. Nous avons peut-être un reste de fusaïole, je sais pas. Une pièce de 20 centimes, 1963. Ah, sûrement on dirait un reste de lierre de France, hein, je pense. Ouais, bien ça vaut. Et un gros bouton. Et un gros bouton, pas beau. Ouais, je sais pas ce que c'est comme bouton ça, mais c'est énorme. Voilà. Bon, et puis comme j'avais dit ce matin, de toute façon, c'était tout pour moi. Alors, nous avons, si j'ai le soleil dans la tronche, je sais pas ce que ça donne. Nous avons une fusaïole, un petit bouton, ça, je sais pas, je pense à dire une bague ou une bague à coudre, un truc comme ça, je sais pas ce que c'est ça. Je nettoierai. Une belle petite bague là. Ouais, en étain, on dirait, hein, je sais pas, alors je sais pas ce que c'est. Bon, je nettoierai. Une 10 centimes d'ancien franc aussi, 1963 également. Ouais, elle devait être jumelle celle-là. Bon, une Savo, ça je sais pas, ça sûrement une Savo. Bon, beaucoup de Savo, hein, à part la Lindauer là. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 monnaies. 9 monnaies, et puis voilà, j'ai fait une boursée de cartouches à blanc aussi là. Une boursée de balles à blanc, ça je sais pas ce que c'est là, c'est une forme bizarre. Ça sonne comme du plomb, alors bon, je nettoierai. Bon alors des balles, hein. Des balles, des boutons pression. Voilà, j'ai fait deux boutons pression. Et un cul de cartouche, voilà. Bon ben, bonne petite sortie pour certains, bon un peu moins pour d'autres. Donc je vous dis, ben, peut-être cet après-midi là. On va refaire une sortie cet après-midi. Avec Bidouille 16 et Barbac, peut-être. Peut-être. Il est dégoûté, là. Bon, avec Bidouille 16, alors. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. How do you define normal?